C'est l'événement de l'année à Chantilly, la plus célèbre garden party où chacun rivalise d'élégance. Star d'un jour côtoie les stars tout court. L'ex-Miss Monde, la plus connue des actrices indiennes de Bollywood, est venue décerner le prix Mademoiselle Diane à celle qui portera le plus beau chapeau. Et en la matière, il y en a de très audacieux. Un petit peu lourd, mais la tête haute et puis le regard fier. Voilà. J'ai une forme de paradis, je dirais, sur la tête. C'est vrai que bon, c'est pas toujours évident, faut le porter toute la journée. Des fois, on se dit, ah, finalement, j'ai pas très envie. Mais au final, je pense que les personnes qui ne portent pas de chapeau le regrettent, parce que tout le monde joue le jeu. C'est aussi un immense pique-nique chic avec son rituel, couvert en argent en plein champ de course. Ça n'arrive qu'une fois. On peut tout se permettre aujourd'hui, donc c'est assez sympa. Personne ne nous juge, c'est bien. Nous faisons toujours un petit pique-nique improvisé, donc on essayons de garder un peu le thème toujours élégance, avec du champagne pour agrémenter le tout. Un rendez-vous hippique très select qui remonte à 1843. 17 chevaux d'exception courent le prix de Diane, dont Queen Jewel, entraînée par Freddy Head à Chantilly, bichonnée avant la course. On a les meilleures juments en 3 ans actuellement. Donc elle va être sacrée dans peu de temps. La meilleure va être sacrée. Celle qui est derrière nous, il y en a une qui va être la meilleure. Exactement. Il y en a une qui va être la meilleure. J'espère la mienne. De même qu'il y a le prix du Jockey Club pour le poulain, le prix de Diane consacre la meilleure pouliche de l'année. Le prix de Diane attire 40 000 visiteurs. C'est l'une des 3 grandes courses de l'année qui permet aux juments de courir le prix de l'Arc de Triomphe en octobre. Mais ici, il n'y a pas que les juments qui attirent les parieuses. C'est joli, c'est impressionnant. Et c'est à voir au moins une fois dans sa vie. Et c'est très beau. Du beau monde, de tous les jockeys. On peut les voir de tout près. C'est aussi une course à enjeux exceptionnels. Dans toute la France, les paris sont montés à 12,5 millions d'euros aujourd'hui.